que tu as fait. C'est pas ma faute. Regarde mon dos. Putain, mais t'as plus de trucs au dos. Oh non, ça arrive. Bah ouais. Logique, j'assume. Ouais. C'est marrant, ça fait déjà 2 mois que je vous ai quitté et la dernière chose dont je me souviens, c'est absolument pas ma dernière vidéo, non. C'est cette lumière vive. Vous savez, quand pendant 2 mois on a l'impossibilité de changer, on se rend vite compte que... Le monde change tout autour de nous. Le monde change et devient flou. Insultez-moi de fils de pute. Insultez-moi de tous les noms! Suceur de bite! Fils de pute! En canonneur! Oh. Oh! Oh! Oh bah. Est-ce que ça va? Ouais, ça va bien. Parce que moi, ça va bien, les mecs, hein! Et pendant ces 2 mois là. Je me suis fait du bien. Gros, je crois que t'en as trop pris. Bonsoir. Oh, ça fait tellement longtemps que je vous ai pas parlé. Eh bien, vous savez, je suis désolé pour le putaclic. C'est pas cette fois-ci que j'ai failli mourir. Non, c'est une autre fois. C'était pas ces 2 derniers mois. Par contre, j'ai réellement failli mourir. Et ça, je vais vous le raconter tout de suite. Par contre, avec ces 2 mois d'absence, c'est plutôt vous qui allez décider si je vais mourir ou pas. Malheureusement. Alors, si vous voulez pas que je meure, n'hésitez pas à laisser un like, tout simplement. Je chiale, putain! Mais vous savez quoi? C'est comme la fois où j'ai bu de l'eau bénite. J'étais pas au courant que c'était pas potable. J'étais pas au courant que c'était des terroristes. Vous savez, c'est pas la première fois que je fais ce genre de conneries. Hein. Alors, l'histoire commence. Attention, à Budapest en Hongrie, j'ai bu de l'eau non potable pendant 1 semaine. Aïe, aïe, aïe. Mais là aussi, je savais pas que l'eau, elle était pas potable. Oh putain, le con! Vous savez, je me demandais juste pourquoi j'avais hyper mal au foie quand je marchais. Mais... en fait, à chaque fois que je faisais un effort, j'avais hyper mal les foies. Et les gens du groupe avec qui j'étais, ils étaient... Hugo, ça va aller? Ça va, t'es sûr? Moi, j'étais là, j'étais... Oh, t'inquiète. Ça va, c'est vraiment rien. Je suis juste essoufflé, ça va aller. Mais c'est à ce moment qu'on attaque mon problème mental. J'ai un gros problème dans la vie, c'est que je sais pas m'arrêter, je sais pas mettre de stop. Et au niveau de la santé, faites attention, vraiment, quand vous sentez que c'est trop... lâchez, parce que... le nombre de malaises et le nombre de fois où je suis allé à l'hôpital parce que j'étais là, j'étais... vas-y frère, c'est bon, wouh, ça passe. C'est comme ça que j'ai fait un malaise et que je me suis absolument écroulé sur une piste parce que j'avais 42 fièvres, j'avais mal au dos, mal aux yeux, j'avais la grippe et je suis allé faire du ski parce que dans ma tête c'était... Oh non non non. Ça, j'en ai fait pendant 30 minutes. avant d'être ramené sur une civière. Aïe, coup dur pour Guillaume. C'est vraiment un gros problème chez moi et c'est vrai que plus les jours passaient, moi j'avais du mal à me lever de mon lit. Et j'arrivais plus à tenir debout à la fin du séjour. Ça aurait pu très mal se passer, mais c'est pas la première fois que ça m'arrive comme ça. C'est terrible. Mettez-vous des limites parce que même moi dans le lit, j'étais là, j'étais... non, t'inquiète. Je viens avec vous visiter le monument aux morts. J'ai envie de dire, tant pis si j'en deviens.
Sandek, les manques du groupe, ils étaient vraiment à mon chevet. J'ai pécho. Mais ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'étais le seul garçon dans un groupe de 6 filles. J'ai encore pécho. Alors je peux vous dire, c'est un séjour que je risque pas d'oublier. J'ai encore. Et en fait, tous les gens qui étaient dans ce groupe, ils étaient là pour le festival de musique Ziggets. Le pire, c'est que j'avais même pas l'âge légal. J'avais 15 ans à l'époque. Vous allez me dire, l'âge légal pourquoi? Oh là, pour beaucoup de choses, Billy. Mais il y avait une fille trop mignonne. Elle était trop kawaii. J'ai encore. Pendant le festival, tout le monde était bourré. La responsable du séjour m'a dit: oh Hugo, tu sais, tu peux prendre un gros verre de bière. C'est pas grave si t'as pas l'âge. Moi, je regarde pas. J'ai répondu que je préférais prendre du coca. Aïe, coup dur pour Guillaume. Je plaisante même pas les gens. J'aime pas l'alcool. J'aime pas l'alcool. C'est pas bon, ça a un mauvais goût, c'est dégueulasse. Un coup de rouge. Mais après, je me suis dit que c'était quand même un super pays où ils donnaient de l'eau en sachet gratuit dans la rue. C'est normal, c'était la canicule. Oui, parce que l'eau du robinet dans ce pays, c'est pas potable. C'est pas potable du tout. Mais genre du tout. Et j'étais pas au courant, moi. Alors au début, je me disais, oh, c'est sympa, pas mal ce pays. Puis après, j'ai fait quand même, c'est un sacré pays de merde. Hein. Attendez, il y avait un rat mort au bord de la fenêtre. Martin, c'est l'histoire la plus extravagante que j'ai jamais entendue. Vous allez me dire, c'est pas possible, il pleut pas des rats morts. Ah bah quand je l'ai jeté du haut de la fenêtre du 4e étage alors qu'il y avait un restaurant en bas et une belle terrasse juste en dessous. Et que ça atterrit dans le plat de quelqu'un. Mais encore une fois, c'était pas de ma faute, j'étais pas au courant. J'avais pas vu qu'il y avait un restaurant en bas. Je l'ai vu qu'après, quand le mec il a hurlé. Parce que ça atterrit dans son plat, quoi. Fabuleux.